des bêtisiers de films qui sont mieux que le film lui-même. Dans Usual Suspect, la scène où ils s'alignent était censée être la scène la plus sérieuse de tout le film. Cependant, tous les acteurs ne pouvaient pas s'empêcher de rire. Tout simplement que Benicio del Toro n'arrêtait pas de péter. C'est pas compliqué, il faisait ça à chaque prise. Et après une douzaine de prises, le réalisateur a finalement abandonné et a laissé les rires dans le film final. Ensuite, dans Stranger Things, on a la scène où Billy était en train de combattre 11. Dakori Montgomery était si ancré dans son personnage qu'il a failli se briser le crâne. Dans cette scène, Billy était seulement censé crier derrière la vitre du sauna sur les enfants. Mais au lieu de ça, il s'est fracassé la tête si fort sur la vitre qu'elle s'est brisée. La réaction des enfants qu'on peut donc voir est donc tout à fait réelle. Dans Rocky, il faut savoir que le tout premier film avait un très petit budget. Donc une grande partie du tournage s'est déroulée dans des lieux publics avec des gens qui travaillaient vraiment. Et dans cette scène, alors que Sylvester Stallone était en train de courir sur le marché, un vrai vendeur lui a lancé une orange. Ce n'était pas du tout scénarisé et c'était voué à finir dans le bêtisier, mais ça collait tellement parfaitement qu'ils ont décidé de le garder.